Salutations voyageurs, on se retrouve pour un petit temple noir après le pré-patch. Normalement on va lui rouler dessus mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise et sans plus tarder on rejoint le Discord. De toute façon, là, c'est tapé, hein. Je sais Ouais, pas là, sur top. les strats, hein. Bon alors Ça on est sur cogne, le ça Discord. cogne, ça cogne. Point. Y'a que Supremus à la rigueur, hein, qui est un peu chiant au On attend niveau. le full buff et puis on est parti. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Alors attends, on va claquer ça sur notre arme. Est-ce qu'elle utilise les flacons que je lui ai donnés? On est parti? Vas-y, go. Tout le monde a tout ce qu'il faut? Ça marche. On a tout ce qu'il faut. Bah, Combien go, de compétitions? 43. qui est MT1, MT2, ou on fonce, on s'en fout. Bah là, On on s'en fonce, on fout. s'en fout. Faut passer à droite, hein. Elle fait ce qu'elle veut. Moi je l'utilise d'entrée, hein. Normalement c'est censé être assez rapide comme raid. Il y a une nouvelle personne qui nous rejoint là, il y a plus que vous avez fait vos réseaux, les trois items ou quoi? Nope. Moi j'ai rien réservé. Est-ce que tu comptes réserver ou tu m'as dit que je vais rien réserver? C'est. Non, enfin moi je compte pas réserver, j'attends voir si ça loot. J'ai pas l'habitude de réserver en vrai, j'avoue que j'aime pas trop Non. cette méthode de fonctionnement, mais après. Ça marche pas comme ça normalement. Y'a pas de Tu prends problème. 5-10 minutes pour le faire. Ça me dérange Non. pas. Comme ça, si tes items mi-tombent, ça sera quand même plus simple quoi, pour toi. Après, si t'es généreux, vas-y. Ouais, bah en vrai, tu sais, dans 2 semaines, t'en bats les couilles. Yes. C'est vrai. Bah, du coup, il préfère Parce que rien c'est là. Moi, ça me va, hein. Il fait un concurrent en moins. Je sais pas qui c'est, mais ça fait un concurrent quand même. On n'aime pas bien les étrangers par ici, hein. Il est devant moi largement en plus. Large. Juste pour être sûr, vous êtes conscient que c'est un free-for-all le loot là? Le loot, tu l'as pas mis en. Ouais, pas en master loot. Ouais, merci. Bien vu l'artiste. Bien vu l'artiste. Bon, y a rien eu de fou, hein. Alors personnellement j'ai Reza un trash loot. Du coup très peu de chances que ça tombe, mais bon on sait jamais. J'ai Reza une bague. Juste, est-ce que vous entendez Oui. le bruit quand je clique sur les touches ou pas? Oui. Oui. D'accord, je préfère que vous me le dites direct. Ouais. J'ai changé Débranche le de clavier, clavier. C'est le bordel. Ouais, c'est mieux. T'as Ouais. un PC ou t'inquiète. Ah, attends, je vais réduire le son. Ah, c'est ça là, les micros de stream là, t'entends tout à 5 km, frérot. C'est le bordel. Et clavier. Ça dépend. Ça dépend si tu sais le régler, hein. Oui. Entre ah non, laisse tomber. Bon, il est bien réglé. Après, ça dépend de la qualité de ton micro, mais en vrai.
Après, comme tout le monde, moi c'est pareil, hein, si j'appuie comme un con sur mes touches, je les entends. Mais... Ouais, c'est un clavier de Mac. Putain de corsaire à la con. Je savais que j'allais prendre autre chose. Enfin, je sais pas mon plan. Parti les tanks. Yep. Je réglige juste une macro, c'est parti. Ah, vous faites ce derrière, ok. Ah, d'accord. Mais Dora, elle en est à ce point-là. Le temps recline les mobs, est-ce que tout le monde connaît la strat sur ce boss? Oui. Alors, moi je connais toutes les strats en tant que DPS. À Dramelgar qui parle. Donc, au cas où, s'il y a vraiment des trucs très spécifiques à savoir, n'hésitez pas à me faire une piqûre de rappel sur un rôle de tank. Ça marche. Bon, s'il y a besoin, je le fais. Sinon, tout le monde c'est bon ou je fais juste un récap vite fait? Je pense que je fais un appel. Je vais faire, ouais, je fais un appel quand même au cas où. Alors lui, c'est très simple. Bon, il fait à peu près rien. Sauf qu'à un moment donné, il va mettre un mec dans un pic. Il y en a un qui va juste cliquer sur le pic. Il va l'avoir dans son sac. Quand il va en vue de la bulle, ça va lui permettre de se soigner. Vous cliquez sur le pic dans votre sac. Faut juste faire attention que tout le groupe ait bien toute sa vie, ou presque toute sa vie, puisque ça inflige 8000 dégâts de gel. Et c'est à peu près le. Voilà. Vous cassez les pics, vous avez votre sac, vous claquez quand il met sa bulle et vous tapez, tapez, tapez. Voilà. Voilà, voilà. Un basique. Hein. Quelqu'un en a. S'en occupe ou le premier qui peut. Ça pose des petites questions. Non, on peut pas de. On s'en fout de. Pas de particulier, non. Juste n'oubliez pas que vous l'avez dans votre sac. Et faites bien attention que le groupe ait au moins 8000 PV par personne, quoi, pour éviter de tuer du monde. Voilà. Ok. Moi je vous laisse pull les tanks. T'appelles ou on y va? Tu peux pull les ads sans pull le boss. Hein. Okay. Y'en a un qui prend un truc à droite, un à gauche ou... Ouais, je me méfie, hein. Je sais que. D'habitude, elle joue guerrier, du coup, on va quand même un peu l'aider, un minimum. On va faire semblant de l'aider, quoi. Sur le boss? Ouais, oh ouais, vas-y. Go. Ouais, il fait comme moi. Ouais. Donc il y a du monde à côté de Tic. Du coup, je m'en occupe pas. Elle arrive quand sa bulle? Elle arrive pas avant normalement? Je vais exploser son bouclier, c'est qu'il s'est ramassé. Ok, il y a des lots là. N'hésitez pas à prendre vos consoles personnelles pour soulager les îles.
Et on finit tout simplement. Parfait. C'était propre. J'ai à tous. Est-ce que y a des inerves qui partent? Et n'oubliez pas vos insignes. Merci Dalida. On fait des petits res, des buffs mineurs, puis on continue. En vrai, on quémande. Alors elle est où Dalida? Arnie, tu gères les loots? Mais un peu basse. Ouais, c'est facile. Ça roule. Bon, là, j'ai les premiers, mais le prochain boss, tu pourras commencer. Ah, nickel. Comme ça, on fait vite fait comme ça. Tiens. Prends ça. Meilleur qui? Non, ok. Elle me dit que ça va, ça va. Ouais, voilà. En gros, c'est 10% de notre DPS, les projectiles. Ouais, t'inquiète, skin, je le sais. Il faut un certain temps d'adaptation. On fait un AVC en plein. En pleine phrase. Un petit temps d'adaptation. L'AVC était vénère quand même. On colle bien à droite, on évite d'aggro. Faudrait peut-être que je teste sa spé en vrai, parce que je pense que la mienne est meilleure. Mais elle doit pas être si dégueulasse la sienne. Vu qu'il me suit au DPS, tu vois. Peut-être songer à tester. Niveau stuff, on est équivalent, on est d'accord. Non, même je suis supérieur à lui au niveau stuff en vrai. Ouais, largement, et pourtant il me suit, t'as vu? Ouais, du coup, peut-être tester la sienne. Je pensais que, mais non. Il a peut-être une meilleure spé, du coup. L'aspect faut clean les portes morts. Ouais, faut c'est dommage ça. C'est dommage de pas avoir un démo SP des mono pour les casters. Moi je vais lui refresh. Tout le monde connaît la strat ou pas? Non. Rouge tapé. Rouge tapé. Voilà. Quand il va rentrer à sa deuxième phase, donc au bout de 60 secondes, il me semble, il va cibler quelqu'un et vous courez. Faut pas qu'il vous tape, sinon il vous one shot. Voilà.
Il fera spawn des petits volcans, on reste pas à côté, forcément. Il fait un rayon bleu qui va en ligne droite. Ça donc vous restez pas dedans, c'est pareil. Et puis, sinon il est très simple quoi, vous tapez. Tapez vêtements. Mais vraiment faites gaffe quand il vous court après. C'est pas une blague quoi. Je vais tourner au raid cela, sinon les casters ont des CS. Non, alors, les petites discussions en groupe. C'est fort, Mage Arcane. Hein. Après démoniste aussi, c'est dommage d'en avoir qu'un d'ailleurs. C'est dommage d'en avoir qu'un et qu'il soit pas dans la bonne spé. Parce que pour le coup, des monos, ça aurait apporté de fou au raid. Demande une pierre de soin au cas où. Ça peut être utile pour le coup. Tac. On est prêt, my body is ready for the war quoi. For the war. Quel troller quoi. Quand vous le sentez, on est parti. Je vous laisse pull le tank. Allez, tic, une petite inerve si tu peux. Ce serait génial. Merci, t'es un ange, tic. On fait attention au volcan. Marie. La personne ciblée, elle court. Tout en faisant attention au volcan parce que ça fait très très mal. Bon, on a un combat plutôt tranquille de notre côté. Ouais, tellement. Ouais. C'était pas beaucoup plus compliqué, mais c'était plus long. C'est vrai que là, on lui a roulé dessus quand même. J'ai. Donc deux petits trucs. Dame. Dime son. Et avec les nouveaux talents aussi, ça facilite le boulot. Plus la suppression de 30% moins sur tout le raid. Bon, pour la camp. Ouais, c'est sûr. Que ça aide.
C'est vraiment fort. Bah j'avais pas refait de puits. Alors je vais changer certaines choses dans mon... Moi je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est une gigantesque blague. Ah, c'est Noël par contre, je l'ai fait il y a quoi, 2 jours, 3 jours. C'est vraiment n'importe quoi aussi. On fait les lotos au fur et à mesure du coup. Tu veux les faire plus tard. On va le faire après le prochain boss. Parce que là, sur Twitch, je suis en train de jouer à Fishing Planet. Ce qui est faux, hein, de toute évidence. Il est temps que je vous laisse, poule. Les go. Voilà, BT Ijal. World of Warcraft. Et voilà. Alors pardon pour cet AFK léger. Très léger. Un très léger AFK. Bon, AFK qui en est pas un, hein. On est là quand même. On est là. On est silence là surtout. Ah. On va peut-être jouer au Blizzard hein, bizarrement. Parce que les dégâts sont kiff kiff et il y a moins de risques. Bon, le prochain boss c'est pas vraiment de strat, c'est très simple. Pour les tanks ça va être un de chaque côté. Normalement, il n'y a besoin que de 2 tanks, donc un de chaque côté, vous prenez les packs, et puis les autres, ils tapent au milieu. Voilà. Gros, ouais, basique. Il y a un trash loop gem épique si jamais vous voulez pas le laisser. Allez, je vais le prendre. Nickel. Nickel. Je m'y attendais pas. C'est aggro. Ça commence à faire beaucoup là, non? Arni, je suis plus enchanteur, mon gars. Comme si de nos jours ça posait problème d'aggro comme ça. Non, mais il faut quand même le préciser, hein, ok. Parce que le recrutement était aveugle. J'ai pas trop confiance en Hotme Hill, donc voilà. Je sais pas comment sont les autres. Ah mais j'ai l'aggro, les tanks qui se barrachent, un rogue. Et un rogue c'est trop fort. Mais attendez, je vais parler sur l'Islande. Arni, au cas où, je suis plus enchanteur. Hein. Ouais. Je sais, j'ai vu le mot que tu m'as mis. D'accord. D'accord, du coup, il bourre mon inventaire, c'est pas grave. C'est pas quelqu'un de rancunier. Vous savez. Oh! Une personne nie de ça. Je vais la donner maintenant, comme ça, trash loot. Plus 1 si vous voulez une idée. Regarde si personne l'a réjoint. Lumière. Tiens, je regarde ça. Je pense pas. Alors, attends. Non, pas de résa dessus. Quelqu'un en veut ou pas? Ouais, je sais. Je sais que spam explosion c'est mieux, mais je préfère jouer safe. Ah, mais c'est pour pas le raid.
En fait, c'est moins safe, je trouve, d'être dans la mêlée, tout simplement. On détruit les petits totems, hein, bien sûr. Je peux pas bouger, du coup, j'espère que j'ai pas l'aggro. Sinon, je vais mourir. Bah voilà, tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Parlez pas au PNJ, bien sûr. Ça serait con. Je préfère préciser. Rebuff pas le ouf. Ouais, voilà, ouais. Me doute. Non, name, ok, Silver. C'était long. Vas-y, là. Tether, remets-moi la focale, là. Non. Encore 40 secondes dessus. J'ai encore le temps. 33 secondes, pas 40. C'est moche, c'est le décalage horaire. C'est giga moche. Là, il y a quelqu'un qui meurt. Ah bon. Comment ça? Ah ouais, il y a un heal qui est en mode 4 FPS là, non? Comment ça? Comment ça? Je sais pas, je la reconnais, j'ai un guild 2 dans cet état. Comment tu l'as vu? Il lag? Ah bah mec, c'est pas qu'il lag, c'est qu'il se téléporte en fait. C'est le début du Kaioken ça. C'est le début du Kaioken. Il y a une strat avancée qu'on a pas, je crois. Ouais. Ah ouais. C'est pour préparer l'hôtel quoi. Ah ouais, d'accord. C'est SP Hotel qui t'inquiète. Ah, je m'inquiète pas, hein. Et un petit tour de salle là, l'arbrisseau là, vas-y fais. Petit tour de salle. Donc attends, qu'à droite, à gauche. Avec son petit de poche là, c'est bien. Puis des PS, il tape, c'est sa façon d'aimer. On est bien. Moi je reste dans la tempête de feu, hein, bien sûr. La tempête de feu? La pluie de flammes? Je sais pas. Moi je dois pas être loin de la vérité. S'il vous plaît, tant que mettez-vous à droite pour récupérer les packs de haut, sinon on va pas s'en sortir. Un à droite et un à gauche. Allez. Ouais, y'a Tether qui rompiche, dommage. Tu peux enlever le skin. Ah, c'était dur. Ouais, c'était dur. Honnêtement, c'est des loots bien mérités, ça. Faire, le loot. Vraiment, ça aucun putain de sens. Oui, là, il est décédé, ouais. Il était déjà très simple avant. Après, lui, il a jamais été un boss. Oui, c'est vrai, il avait... ouais, c'est un boss d'ad. Avant, c'était déjà un trash. Hein. Ouais. C'est un peu de la merde. Par contre, le prochain, il va être rigolo comme boss. On va tout loin, là. On va auquel, là? Gurtog.
Gurtox reliquaire. Là on va sur Terron, si on continue tout droit. On va sur Terron du coup. Ouais. On le fera après. Terron, tout le monde connaît la strat ou pas? C'est une course au DPS, sauf qu'il met un debuff. Et le debuff, c'est qui vous transforme en Banshee. Dès que vous avez le debuff, vous allez dans un coin en bas à droite de la pièce. Vous allez transformer en fantôme. Et quand vous serez en fantôme, en fait, vous aurez 5 sorts. Et le but pour vous, c'est de tuer les mobs avant qu'ils arrivent au groupe de raid. Sinon, la dot se répand et il y a. Enfin, c'est tout le monde meurt. Et donc vous le ralentissez avant qu'il touche le raid. Mais ça va se porter compliqué. Bah, il y a des cages de glace, tout ça, puis vous spammez les sorts. Voilà. Et par contre vous commencez vraiment bien en bas à droite dans le coin. J'ai mis la macroupette et ce qu'il n'a pas. C'est marrant hein, quand je lâche la source, je reprends l'agro quoi. On a perdu Elan. Et l'âne. Et l'âne, est-ce que tu es là? Je fais les loot en avançant. Dans tous les cas, il est déco. Ouais, je vois ça. Non mais calmez-vous. Il semble que c'est le premier loot, il n'y en a pas beaucoup qui partagent le reste là. J'ai un bouclier qui est SR là. Aïe aïe aïe. Bah c'est le wipe hein. Ouais c'est rigolo. Ah c'est wipe là. Ça a été nerf mais faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Bah, reste pas tout de suite, BR attend la fin de... Du wipe pour la trop BR. Tard, il a accepté. Le problème, c'est qu'au bout du cinquième pack pull en même temps, c'est problématique. On a le raise du chaman. Ouais, il y a des raise chaman, il y a des pierres d'âme normalement. J'ai l'impression même que vous allez réussir à le tuer le pack. En vrai, je pense que depuis le pack, le Wardef est improbable. Je sais pas ce qui s'est passé. On t'entend très peu fort. Ouais. Il a dit que le Wardef était incroyable. Non, non, mais montez un peu son volume. Après, il a été buff, non? Oui. Le Wardef, bah, comme toutes les classes, mais le Wardef, déjà que de base, c'est une classe assez forte, mais alors là. En mono-cible, ouais. Non, mais là, même le multi, hein. Même le multi, ouais. Ah ouais, le Wardef, bah, regarde, le Wardef, là, il est premier DPS, hein. Oh ouais, là, ouais, non, mais ça a aucun putain de sens, hein. Ça a vraiment aucun putain de sens. Mais bien joué, hein. Après, perso, c'est pas une classe que. Enfin, c'est pas une spé que je joue. J'ai l'équipement pour, mais je sais pas. Jamais testé. Profite des mains pour pouvoir faire les loots tranquilles. L'idole du cerf blanc, un druide. Personne d'important n'est mort. Oh, 80% du raid. Moi je suis en vie, c'est ce qui compte. Ouais, c'est un peu la logique. Hein. Moi je serai en vie quand on m'aura raise aussi. Merci. Merci pour le raise. Si personne veut l'idole, je veux bien la récup pour une SP2, mais j'ai pas envie que ça compte pour les loots. Attends. Le plus 2 ne compte pas contre un comme un loot principal. On va rolling. Ça voilà. Dépend du RL. Oui, c'est vrai que c'est pratique. Dommage pour toi, tu vas être le dernier res quoi. Merci. Le rempart en kangaroo pierre, il y avait un SR dessus. Non. N'est pas le dernier res. Tiens. Hein? En fait, c'est que vous m'aimez pas en fait, c'est ça? Pour ça.
Merci. Ah, tu te débrouilles avec eux. TikTok, c'est moi. Hop, il y a que toi qui a le droit à un bisou. Les autres, ils sont méchants. Méchants. Ça va, je fais des rêves depuis le début du wipe. Enfin, depuis la fin du presque wipe. Ok, tout le monde a été raise. Les brassards à coque des derniers. Bon, il y a une quête à faire ici avec des. Ça a été Reza. Avec des fidèles d'Akamar trouvés. Des caps partout. Des caps partout, traite sur Arnica, s'il te plaît. Bah, Mariki, pense à moi, merci. Sur Arnica. Il me manque 5% de critique, je sais pas pourquoi. Tiens, mais tu me crois. La croix qui saute. J'avais 5% de plus tout à l'heure. Tu seras une étoile parce que t'es mouillé. Peut-être le druide. Le druide est mort. Oh, c'est mignon. Mais oui. Non, non, il est là, tu t'es. Je lui ai dit. Non, il est juste pas en. Ok. Moraille bois de. Une belle étoile jaune comme ça. Les bottes enchâssées de perles. Est-ce qu'on a une Reza dessus? Vous pouvez continuer les trash, hein, mais. Ouais, on peut faire les trash là. Ouais. Un élégant. Ouais. Ils ont wipe, ils sont. Enfin, on a presque wipe, ils sont traumatisés maintenant. Non, pas de Reza dessus. Je leur link s'il y a des. Les intéressés. En plus deux, vous pouvez les prendre si jamais. Faut pas monter sur la rambarde, sinon vous pouvez cure de le reliquaire en bas. Bon, ça va. Ça. Bon, bah, envoie à ça, je savais pas. Une garde de jambes de prétorien. C'est pas mal, ça. J'ai même envie de dire que c'est assez vénère. Hein. J'arrive pas à reculer ma caméra, ça me perturbe. Il y avait deux serres dessus, Adramelgar et TK partout. On est gelé pendant. Ça roule. Hop. Merci. De rien. Oh, ça se fait des bisous. Vas-y, go. Hein. Je vais vraiment devoir réactiver mon micro. Vraiment, ça me trigger de ne pas go tout de suite. Quoi. Trop pressé, hein. Si quelqu'un dessus, y a pas de SR. Mais bon. Mais t'étais pas sésame, toi, okay. Il y a deux secondes. Skin. Oui, toujours sésame, ok. Il vient de nous pisser dessus niveau DPS, quoi. Il a trouvé la touche. Bah go. Go, 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 go. Comment ça crève? C'est pas faux.
Bon, ça fout le lag, hein. C'est le shadow ça. Hein. C'est pas du genre à me plaindre. Bah, c'est notre vie à être gelée. Ouais. Ça va être la deuxième fois qu'on attaque ce boss. Enfin, je l'ai tué qu'une fois. Bon, go quand vous voulez. Hein. Nickel. Moi, je connais un mage qui est mort dans son caca. C'est pour ça que c'est bien le bizarre. Je parle, c'est celui-là, là. C'est à droite. Là. Quand vous avez le debuff, vous me foutez là. Je peux avoir un rebuff sur claquer, s'il vous plaît. En fait, c'est le mec. Il va être transformé en Banshee, après il sera toujours en Banshee du coup. Mais en gros, ouais, tu dois te tuer avec les 5 sorts que t'as pour avant qu'ils atteignent le raid quoi. Après il y en aura qu'un. Mais normalement on devrait le tuer vite, donc je pense qu'il y en aura un seul en Banshee. Et en fait plus t'es long, et plus il y en a qui se transforment, donc à force, ben ouais. Non, on s'en fout de la macro. Y'a pas besoin de macro pour appuyer sur des sorts. Hein. Ouais, on va belle l'entrée. Et tant que vous êtes très beau. Normalement, il devrait être là depuis 8 minutes. Allez, allez. Ok, 50%. 42. Pardon. Ça va vite, hein. Les castes, avancez un peu, s'il vous plaît. Avancez un peu vers le boss.
pas vraiment besoin, si. Ouais, non, voilà. Ah, t'as oublié d'engeler. Ouais, un peu, ouais. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de... Vas-y, on fait le tout de suite. Le contre-fondeur, j'ai envie de dire. Je crois qu'il est réseau. Il me semble avoir vu quelqu'un le sauf réseau. Ouais, ouais, un war, je crois. Comment je quitte la forme de fantôme? Tu meurs. Tu meurs. Tu meurs en 13. Faut dur. Le fendoir d'âme, Floki. Bon, bah voilà, je suis mouru. Ma paix à ton âme, bon raid. Bien joué, c'était sympa. Prochaine, excuse-moi surtout, hein. Bravo mec, bravo. Enfin, ouais, bravo. Hein. Franchement, on n'est pas aidé. Oui, Floki hein. N'est pas là. On était avec un autre pseudo. Floki? Floki, c'est lui qui a résolu le fendoir. C'était un quoi? War, il me semble. Ouais. War ou DK, non? Puisqu'on peut pas réserver en tant que DK. Non, le Floki, il était en Happy. Donc c'était un DK. Tu, sur le Red 25, je le vois, là, Floki. C'est pas celui qui s'est fait kick? Si, ça doit être lui. Bon, qui l'avait? C'était Sushi, un truc comme ça. Attendez, je fais la ligne pour tout le monde du coup. Bah ça dépend ce que t'es là. Il y a un trash loot sur le chemin, une cape. J'aurais préféré entendre autre chose. Hein. Il y a un trash loot, un anneau. Ah, nickel. Arnie, je te l'envoie. Ouais. Après, ouais. Il a eu un problème de co ou... Il y a personne qui l'a raison, petit druide? Si, mais il y a mon client qui est en train de me faire de la merde. Hein ouais, je pense que je serais initialiste. Il m'a déconnecté et il est en train de bader à Mreco. Salut. Bon, on va se faire la petite cape en attendant. Vous avez un démoniste, je ressuscite simplement, je fais la croix sur mes deux emblèmes et vous me téléportez, un truc comme ça. Je pense que ce sera le plus simple. Oui. Sindel, personne d'autre. Ok, bah rendez tous les deux du coup pour la cape. Ne jamais abandonner. Ah peut-être. Sur le fond d'or, bien fait. Non mais on va pas y arriver comme ça. On va pas s'en sortir. Il y a eu combien? Non, mais ils ont pas en effet. Ils veulent se le donner mutuellement, c'est mignon. C'est trop gentil. Alors... Vous ferez des bisous après, mais sinon. Il y a un pack à gros. Je le donne à Kim. T'as dit quoi, Daïda? Il y a un pack qui est à gros. Il y a un pack qui est à gros, mais ça commence à avancer. Donc il y a un gros derrière et qu'il ne dit pas. Désir et Sindel, du coup, pour la cape, vous êtes décidé ou pas? Oula. Faut pas rester au cac, les cacs. J'ai fait son avoue. Et avec deux villes, avec vous. My bad. Fais un round, Sinda, putain. Fais un round, le meilleur gagne. 85. Ouais, ouais. Voilà.
Vous avez sauté ou quelque chose comme ça, ou vous avez fait le tour? Traite sur l'étoile du coup, Cinda. Alors du coup pour le fondoir il y avait verso et des caca. Des caca. Là c'est un... Ok ça marche. En plus elle est pas dégueu hein. Verso. Ah dommage. Eh ben. Hop là. Et des brassards cuillard. Poignée insidieux. Est-ce qu'on a quelqu'un dessus? Je reviens, je vais aller. Enlève ton JCJ Nalnir, le mec qui se téléporte. À tout à l'heure. Je peux pas dans le raid, il faudrait que je meure et que je libère. T'es déjà mort une fois, mec, tu peux mourir à chaque fois. si vous voulez rendre les 2 plus 2, du coup. Eh, je peux le buter, oh! On y met tous un peu d'une autre. Ah, c'était. Vous avez déjà rendu les plus 2 là? Parce que j'ai pas fait attention au bras. Attends, je vais te faire un link. Sinon, j'aurais mis plus 1. Envoie au mec qui a mis plus d'armes, dans ce cas. 52 et 60, 84. Bon bah hack. C'était du plus 2 Carico. Ouais comme t'es comme c'est du plus 1 sauf. Ok. Hack t'es parti haut. Hop. GG. Merci. On peut faire les petits mobs là. Attends sur les coques. Faut faire les loups en priorité. Ouais. J'ai la grosse sur. Okay. Allez, casse les couilles de se faire one shot. Hein. C'est le plaisir ça. T'as qu'à savoir t'habiller. Ah je vais être le premier mage, le premier mage plaque là, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Hein. Toi je pense qu'il faudrait plus que de la plaque hein. Une bop. Je vais aller chercher du mitril chez les nains. Le premier mage bop. Titan le frère. Fais un truc en obsidienne ou une connerie indestructible, j'en sais rien, un magnum, t'es mais... En obsidienne... C'est quoi, c'est Bedrock, c'est ça, sur Minecraft? Faire un stuff en Bedrock, tu vois, ça va être réglé, hein. Il y a l'obsidienne sur Minecraft aussi, hein, tu te démerdes, tu prends le truc... On fera un petit resto claqué et puis des bœufs. Ah c'est marrant. Tiens. Bah je vais pisser, je reviens, je meurs. Tu la colles? Oh putain. Je pense pas que la durée de l'ice block te permette d'aller pisser. mon Dieu. Connerie sur connerie. Hein. Dalida, il s'est passé quoi? Bah, je sais pas, moi, parce que je suis pas morte. Bonne réponse, Aïda. Merci.
C'est marrant parce que j'étais sûr de m'être mis en follow sur toi. Bah visiblement non, je suis pas morte moi. Aïe aïe aïe. Regarde ce qui t'a tué, espèce de noob. On y aurait qu'une ligne, hein, j'ai dû te faire one shot, hein, comme d'hab. C'est soi-disant le meilleur DPS, bon. Bah, quand il est vivant, c'est vrai qu'il envoie quand même. Quand il est vivant. C'est plus rare qu'un Shiny, quoi. Ouais. Ah, salaud. C'est dur. Hein. Les comportés sont bien. Alors attends. Bon, il reste 5 minutes, on va laisser comme ça. Tu veux pas expliquer la strat avant de pull le gauntlet? Vous êtes bien que j'explique la strat? J'avoue que j'ai vraiment plus de souvenirs. Vous voulez bien me rebuff en P1? Ouais, c'est surtout le P2 là qu'il va falloir. P2 ou P3? P3. Peut-être avancer parce qu'ils respawnent pas à l'infini eux. Si, c'est pour ça. Si, ah, si. J'attendais justement avant d'avancer s'il fallait expliquer la strat, mais. Ok. En P1, tous les heals. Ah oui, c'est pas de façon, ouais. Ça sert à rien. De l'absorbe. Bon. C'est ça. Ah, ça va être un peu. C'est un peu chiant quand même. Donc les heals, en vrai, vous pouvez même DPS. Ça peut faire gagner un peu de temps. Et du DPS. Je pense qu'en P2, de toute façon, vu le nombre de dégâts, il y aura pas de problème pour les kicks. Oui, ça fait vraiment honteux ça. Entre le nombre de dégâts et les deux wars, ouais. Y'a pas de problème de kick, hein. Deux wars, un voleur. C'est surtout la survivabilité là. Et au début, les tanks pour votre aggro, c'est juste celui-là qui colle au corps à corps. Donc celui-là qui est. Donc les cacs, vous mettez derrière et ensuite. Vous reculez un peu quoi. C'est vraiment celui qui est au plus proche qui est là-haut. Ils se sont dit que c'était rigolo comme mécanique. Ouais, qui nous ont bien chier avec eux. Donc les temps vous pouvez alterner par rapport aux débuts. Deux autres portaient plainte quand même. Un pool d'aide derrière. Ouais, et. Descendre la rampe les gars, sinon on va pas arrêter. Ouais, sinon ça va jamais s'arrêter. Et le boss est plus. Tournez-le les tanks. Bah nickel. Et on se colle pas les... Moi j'étais en train de manger au calme. Et y a la guerre. C'est quelle phase déjà le BL? Je sais rien plus. Là avec le nerf on peut la faire en P1 pour les heals. Il est peut-être un peu tard là. Allez skin, régale-nous. Si les cacs vous collez, vous allez prendre l'aggro. Non. Ah tiens, hack. C'est marrant. C'est marrant. Il faut tous vous packer au milieu là. Il va y avoir des petits pop dad. Faut les laisser venir au cac pour que les heals puissent régénérer. Pas que les heals d'ailleurs. Tout le monde. Angel, faut que t'ailles au cac, hein. Parce que s'il pète à... pas ouais, mets-toi sur triangle vert. Non mais, le druide, c'est... Il joue un autre jeu, lui. Il se déplace pas, il fait des téléportations. Il est avec AFK. Les mages, oubliez pas le vol de sort sur le bouclier aussi, sinon on pourra pas kick. On a pas un peu trop de morts, là? Non, ça passe. On a le Nir, fait un béret sur TikTok, c'est... Oh ouais, ça picote, hein. J'ai
Méfiez-vous du renvoi. J'ai kick. Bien joué, mon gars. Eh ben, facile hein. Je regarde même pas ce qui se passe moi. Ah ouais, j'ai plus le mana, nickel. Pareil, petite phase d'ad pour les gènes. Et vous serez en P3 après. Ça risque d'être tendu en vrai. Appuyez sur tout ce que vous avez parce que là c'est une course DPS, les heals vont se faire burn. Tac, tac. Restez bien au milieu. Le PR il était parti déjà. Ouais. Ok. Bon, normalement ça devrait aller. Hein. Sauf un si dommage là. Allez, c'est les quoi, gars, on tape fort. Allez, hop. Allez les gars, on tient. Bateau fini. Bon, il s'est passé des trucs étranges pour le coup. Ce combat est bizarre. En même temps, on a plein de morts. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est, il est bizarre. Génial. GG. Vas-y, on est pour les loot. On fait les raises. On va rebuff. Et moi, je vais faire un petit pipi. Pipi. Bon. J'aime bien le fait qu'il se trash un peu. Merci. Ouais, c'est les ZAD qui nous ont envoyé sur le début du fight. Alors, Brassard investi en élunite. Pierre Caster. Personne dessus. Pas de Esther. Non, j'ai pas de SR sur celui-là, Tiki. Ok. Oh, désolé. Et je mange en même temps. De damnation. Donc, on se fait plaisir, hein, comme vous. Je mange bien alors.
C'était bon. C'était bon. Ah, ils sont déjà là-bas. Putain, ils n'ont pas le temps. Hein. Carico, un GG. Ouais. Ça fait du bien. Oh putain, oui. tu connais Marotta. C'est ça. Ça te prend en gros un débité, tu pars pisser, hop, tu reviens, tu reviens. Oh, reviens. C'est dur, Rogue. Peut-être ça sera plus facile quand j'aurai les glaives. Je sais pas. C'est possible de me rebuff, claquer le mage. Ton mage, carte vitale, carte bleue. Claquette. Ouais. C'est bon, j'ai eu la bénédiction des rois. C'est le seul buff que je voulais avoir. Comment tu t'appelles toi pour que je monte ton son de micro? Carico. T'en vas pas, si tu veux ton monte. Ouais, normalement c'est déjà le cas. Hein. Hello, désolé du retard. Ah, tiens, Kerman. Kikou, Kerman. Allez, comment tu vas? Ça va, une heure et quart de retard, c'est bien. Ça fait pour un GM. Le boulot, c'est le boulot, hein. Malheureusement, je peux pas faire autrement. Et puis après, je te dis, j'étais dans la douche. Il y a le chou qui pleure en plus, allez. Ouais. Ah bien. Et puis j'ai confondu la pomme de douche avec ma bite. Donc... Arrête. Oh putain. Du coup, t'as galéré pour trancer, je suis sûr. Ah, c'est ça, ouais. Là, ça devait être plus long, forcément. Vous avez un démo pour me taper ou pas? Oui, yes. Oui, voilà. Et c'est le plus beau caddie de tout le groupe. C'est vrai qu'il est très beau, lui. Ah ouais, bah il est beau, 5000 PV. Je suis pas dernier au DPS, les gars. Posez-vous des questions. Ouais, c'est vrai que les heals, les amis. Ah, plus simple. Eh, les heals, tapez, merde. Non, au-dessus de certains DPS. Comment ça, un stuff César mais au-dessus des DPS? Ouais, mais ça, c'est le pet qui carry. En plus, ouais. T'as pas qu'un chasseur corrompu, c'est vrai. Y'a aucun respect. T'es cool, Carman? Ouais, j'arrive. Je t'ai marqué mes SR sur le Didi. Oui. On a déjà fait tomber Lida, donc. C'est agro de pack, fais gaffe. Putain, mais mon micro est coupé depuis tout à l'heure, vous dites rien. Honteux. Vous avez tombé quoi là? Le stun. Qu'est-ce qu'on a tombé? À 5 sur 9, oui, quand même. Le... Ouais. On t'a pas attendu. On t'a laissé plus chiant. Gurtog. Il y a Gurtog. Il y a des loots, SR, sur Gurtog ou... Je regarde ça. Ouais, il y a le bijou. Tank, je sais. Là ou ouais. Moi, j'avais raisé une cape. Il y a un trinket. Ah bah il y a la baguette hein. Ouais, de toute façon on est là pour... Ah, on est là pour le faire. Alors là, Gurtog, vous voyez les deux fontaines là, ouais. La première fontaine sur la droite là. Il va y avoir le tank et les cas qui vont se mettre là. Et sur la fontaine de gauche, il va y avoir les trois groupes, enfin je veux dire les chasseurs, ouais. Les mages, donc le groupe 4 et le groupe 5 qui vont se mettre dans l'eau.
et vraiment dans l'eau. Non. Attends pour moi, juste devant l'eau. Oui, c'est devant les fontaines. Ouais, voilà. Juste devant la fontaine, et dès qu'il y aura la dot, vous allez dans la fontaine. Voilà. Ensuite, il mettra un buff à l'un des DPS. Il faudra bien le tenir. Parce que du coup, il va taper que lui. Et donc là, par exemple, si vous avez des techniques pour encaisser les coups, mettez-les tout de suite, gardez-les vraiment pour là. Parce qu'il va vraiment taper fort. Et taper que vous, et si vous mourrez, il va taper tous les autres. Donc, voilà. C'est à peu près ça, c'est long, c'est pas très agréable, mais il faut y passer. Si on enlève la graine, c'est mais sûr que... Bien. Ah bah si, quelque chose de long aussi. Mais... Ouais, t'as pas mot de douche sur moi, Carvan. Allez, go. Typo mode douche. Ah. La horde va vous écraser. Non, l'autre fontaine, s'il vous plaît. Là, il y a l'étoile. Les casques là. Et les tanks que vous mettez là. Tu veux l'aider ou pas? Oui. Non. Non, parce que je suis pas sûr que ça passe. Oh, t'aurais pu bien. Et les groupes, vous alternez dès que vous avez le debuff. Donc le premier groupe, il va dans l'eau quand il y a le debuff, et etc. Vous tournez. J'ai compris. Tu l'as jamais fait ? Ah non, c'est ce que j'étais en train de me dire, il m'a pas marqué ce boss. En gros, t'as un debuff qui va tomber sur le groupe, et le groupe concerné il reste dans l'eau. Et il se colle pas aux autres groupes. Et je tape. Quoi comme ça, c'est à dire ? Toujours que t'as tapé. Oula, ouais, de toute façon les tanks. Là c'est normal, là, c'est normal. Tenez bien l'arbre. L'arbre, mettez ses déprotections. Et là tu peux BL. Non, c'est bon, c'est bien. Pardon. C'est déjà fait, ouais. On tient bien l'arbre. Ça tombe toujours sur le même hein, pour l'instant. Ça doit lui faire étrange. Vraiment, l'arbre, ça va être vraiment notre souffre-douleur. Hein. Ouais. Entre là et le boss d'avant, le pauvre. Et là, on se replace. On est en arrière. Ouais, on se replace. Ouais. C'est mérité. C'est mérité. Donc, le groupe affecté va dans la fontaine, etc. Que t'as un peu vu, j'ai l'impression que je fais un peu paratonnerre sur ce mec. Il en faut. Mais c'est vrai que toi, bon, t'as moi pas ça va, j'ai rien eu à faire. Il était bien nerf, hein, putain. Ouais, parce qu'il est vraiment casse-couille. Ah oui, il est chiant. Oui, mais ça c'était avant. Et voilà. Oh, ah, une dague. Oh, une dague. Ouais, elle est sympa. Ouais, elle est bien. Elle a un boost kill. Faut continuer à heal les debuffs. Oh, ils vont tous mourir. Alors, si c'est Skinner, il peut mourir, c'est pas grave. Skinner. Au moins, on avait un chaman pendant que t'étais pas là. Hein. Ouais. Ouais. Ah, elle est belle la dague. Hein. Tu fais les loots, Arnie ? Ouais. Bah, du coup, il n'y a aucune SR sur les deux. Tac. Alors, la ceinture, cuir, caster. Là. Du coup, on va pas TP. Hein. T'as des cœurs des ténèbres un peu partout. Ok, ça roule. Et la dague. Qui en veut ? Qui en veut, à part le voleur ? Ah, il y a Zeldo. Tu peux faire plus 1 si t'as besoin. Comment il s'appelle, le fils de papy ? Le fils de papy. Réanatorus. Je sais même pas s'il connaît les règles du rang. Drenat. Bah, il est là en fait.
Elle est pas go-ronde. Ouais. Slash ronde. Oh, bien joué. Moi, ça me va. T'es mort où, Adra? Le fils à papy. Au haut des escaliers. J'avais des debuffs et on m'a pas heal. Ah merde. Attends, j'arrive. T'as du monde forteresse ou... Ouais, comment c'est, il c'est reste la... C'est la Notorus. Tout le monde est passé devant mon cadavre. Ah, ah Notorus, t'es dans Discord ou pas? Il est devant toi. Oui, hein. Oui, il est dans le Didi. Ça y est, c'est trader. J'ai juste pas parlé. Allez, go, les tanks. Pourquoi je la vois pas dans mon inventaire? Parce que t'as pas ouvert les deux yeux. Aïe. Oh, machallah. J'ai la grosse en ceinturon, si j'aime. Bon, ça va, ça tank bien, hein, mage. Également. Un voleur, pardon. Bon. Oh là là. Désolé. Vas-y, hein. En blizzard, comme ça on est safe. Avec Carman, le bâton, je l'ai eu à Karazhan hier. À Karazhan? Yes, enfin, attends, je Karazhan. Karazhan. Ouais, mais bon, j'ai de l'arbalète aussi. Karazhan, ça va rester. Hein. Attends, j'arrive chez Téléco. Bon, t'es mort, de toute façon. Petit Karazhan. Ouais, franche... Merci, Skinner. Le petit Karazhan des familles. Merci à toi. Il est où, Silver? Faire que de me reste ce soir. Et je suis déjà amical ici. Arnie, est-ce que t'aurais des biscuits de mana? Ou si un mage peut faire une table, ce serait gentil. Tiens, échange-moi, Karen. À moins que quelqu'un, à moins que vous n'ayez une table, sinon faites une table. T'as ce qu'il faut, Carman? Merci. Ouais, c'est bon. Merci. Et pour info, j'ai mon micro coupé. Ok, c'est Skinner qui stream. Il est en train de parler tout seul. Non. Rebuff, s'il vous plaît. Non. Il est mort. Comment ça dégrader? J'ai du pouvoir ici. Ah ouais, j'ai l'assist. Merde. Ah merde. Ah, c'est rigolo, ça. Comme d'hab'. On vous suit. Quelle idée de me donner du pouvoir. Ça fait de la concu, bordel. Étant donné que je suis boulé en PVP, je sais... Attention. De prêtresse qui arrive derrière. Voilà, c'est pour ça que je vais pas le faire. Tu me mettras une assist, Hack, s'il te plaît. Merci. Pourquoi une assist? Y'a pas besoin en vrai. Ça va, poule? Y'a un poule derrière. Merci. Et parce que les gens m'entendent pas. Ouais, y'a tout le monde derrière. Je suis CM. Faut aller en claquer CD. La concu.
mal de petites gemmes derrière. Qui... Est-ce que en tant qu'assistant, je peux me servir? La concu, elle est là, bordel. Ah oui, sur... Ah non, c'était pas sur le curtog, la ceinture, l'arme. C'était pas celle-ci qui te... Non, c'était un tissu. La concoulance, c'est important. Tiens, les gars, la honte, vous êtes derrière ces âmes. Bah ouais, c'est bizarre, hein. Ah mais le sésame il est où? Il est là le sésame. Non, c'était juste pour un peu les... Les piquer là. Pourquoi je ne peux pas... Je peux rien looter. Il est cohérent. De toute façon c'est un peu lourd. C'est les Red Guild qui a plus... Quelle merde. Je vais vraiment faire attention à ça. T'as une gemme en arrière, Hack. Ça marche. Une belle, j'espère. Ah bah il est là le plus beau. Bah ouais, ma gueule. Toi t'as la patte à gauche. Il est ouais, fais gaffe, ça va rouler prêtresse. Hein. On est toujours là. Une grosse. Ah ouais, une grosse. Une grande plutôt, tu veux dire. Une corpulente prêtresse. Gros, grand, c'est pareil. Ça dépend dans quel sens on la regarde. Hein. Non. Ah, ça c'est bon. C'est vrai. Moi. De toute façon, c'est pas la tête qui compte. Bon, ça, c'est... Ceux qui disent ça, c'est ceux qu'on a une petite en général. Allez, on va changer de sujet. Allez, c'est reparti. C'est où le beau patron? Le beau patron. Moi, je l'ai déjà. Qui écoutes-tu là dans la guilde? Claqué. Claqué, t'es quoi comme métier? J'ai déjà. De Nadalida, sinon. Je suis pas du tout coutu, moi. Ah, t'es pas coutu, hein? Il y a un coutu qui le veut. Attention, ouais. Merci. Allez, on le détruit. Ça va, gros. Ouais. Ça fait quoi, ça? Ok, c'est juste une augmentation de ses dégâts. Que tout le monde connaît ce boss? Ou pas? Pas du tout, d'accord. Tu auras toujours quelqu'un qui connaît pas parce que moi j'étais jamais venu. Bon alors, ceux qui connaissent pas. Ici à droite, il y a deux statues. En fait, le combat va se passer là. Les castes, ils vont se mettre juste ici. En dessous de la main de la statue. Ah ouais? Donc, vous pouvez vous lever à la caméra. Quand vous voyez plus vos bonhommes parce que vous voyez que la main, c'est que vous êtes bien placé. Pourquoi, me diriez-vous? Non. Parce que madame envoie en l'air. On peut pas le faire donc, ici.
Je vais pas le faire de l'autre côté. Ça sera plus facile. Ah bah moi j'ai toujours. Ah j'ai toujours fait comme ça. Je connais pas de ce côté. Les castes ils se mettent là. C'est tout pareil. Ok, bon bah vas-y, Arnaud. On t'écoute. Le tank il s'est fait juste à se mettre là. Les castes ils se mettent où? Sur sa trop le cul là. Sa trop le cap. J'avais fait comme ça, je faisais tout le temps avec les mêmes. Bon, ça a l'air des plus faciles. Et puis moi, tu viens de tank par ici. Ouais. Tu vas chercher le loot, bordel. Ok. Max range pour les distances. Hein. Et je fais un bon silence. Donc pour éviter le silence, il faut vraiment qu'on se mette en attaque. On va chercher le loot. Un petit moment, s'il vous plaît. Merci. Finis vos paquets là sur l'étoile. Comment va le tanker derrière? Comme ça on sera bien. T'as du loot derrière. On peut pull les deux là, ça poule pas le boss. Bah non. Oui. Non. Ça ne poule pas, allez en avant. Avec les... Et les tu dois avoir une patte. Tu dois avoir une patte de prêtresse aussi. Ouais, elle est derrière ma chasse. Puis 19 000, puis 25 000. Pour prendre la patte. Hein. %, il va y avoir des morts là. Attends, est-ce qu'elle l'a encore? Ouais, bon, je vais lui refresh quand même. Tech. Il y en a beaucoup qui connaissent pas du coup, parce que on n'a pas expliqué le link quand vous êtes TP. Il y en a un, il dort. Quand vous êtes TP, vous séparez, hein. C'est assez simple, le plus vite possible. Elle va TP 3 personnes ensemble, un peu n'importe où sur la carte. Et vous êtes link, plus vous restez collé et plus vous faites de dégâts. Vous faites du dégât aux personnes qui et sont Arnie, à côté de vous. Et Arnie, si tu peux buff Rési Ombre. Ah non, c'est bon. My bad. C'est fait. Il y a juste par contre Carman et Nalnir qui est en... Ah si c'est bon, faut le faire en manuel, vous êtes en PVBI. Tout le monde a son buff. Okay. Les distances bon pour les débuts, vous avez compris, excusez-moi, je pas répondu. Sur l'étoile. Ah ok. T'as dit quoi? Les distances, venez bien pixel sur l'étoile vu qu'il va être tank là-bas. Si les distances. Étoile. Des neiges. Pays merveilleux. Claqué. Nalnir. Pas sur un claqué. De quoi vous parlez là? Ah le mêlé, on se met là? Je crois que l'étoile était pas assez voyante. J'ai un string. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Limite un string, c'est plus voyant. J'en ai un en dessous la robe, c'est bon. Allez. Allez go. C'est bizarre de se faire. En poulet la détourne ou c'est nous les tanks qui y allons? Détourne. Ah. Je suis en week-end. Attends. Ah, un. Allez, Carico, bouge. Les tanks, vous mettez pas en place? Du coup, j'ai. Moi, en vacances.
Yes. Si en vacances longue durée. Il va vous arriver des bricoles. Hein. Je vous laisse faire les conclusions. Moi, je vous avoue, je connais pas du tout cette place. Donc, Ça m'avait manqué les bruits d'enfants de Carmen. Je vais lancer la BL. Ouais, tant que tout le monde est là, enfin, tant que tout le monde est en vie surtout. Claqué Marie Zedo. Aïe aïe aïe. Tic, tu me fais un béret sur claqué s'il te plaît. Tu t'es TP au même endroit que moi quoi. C'est ce que je me suis dit, j'ai essayé de reculer. Non mais c'est pas grave. J'ai de la résilience bon, dans mon sac. Ah, encore des morts. Je crois qu'il faut mettre de la résilience ombre un peu. Normalement. Surtout quand t'es full sésame, hein. Oui, voilà, là, y'a rien qui peut t'aider. Hein. Je pense que t'es condamné d'entrée. C'est un peu ça. Ah. Merci, Tic. Ah, bah, je me refais TP, nickel, je vais remourir. Non, mais pourquoi tu viens vers moi? Va-t'en. Faut s'écarter, Los Angeles. Va-t'en. Merci. Merci d'être mort dans ton coin. Le pauvre. Ah bah, au moins il m'a sauvé la vie. Merci d'être... Merci d'être mort. Du coup, je pense un petit récap strat aurait été utile. Eh bah, elle est morte. Ouais, ça passe. Bah, non, pas utile puisque le boss est down. Bah, oui. Voilà. Les strats, c'est pour les faibles. Youhou, ouais, des tokens de mage. Pas loin de le penser. Ah, non, pas des tokens de mage. Oh non, y'a pas de tokens de mage, merde. Ah bon, ah, flûte. Ah non. Oh. Je les ai pas vus donc ça n'existe pas. Vraiment, on a vraiment pas de chance, hein. Oh là là. Oh là là. Toi t'as une gueule là, le décaca. Le décaca. Un petit reste, les petits enfants. Il y avait du token déca. De pureté. Ouais, moi je vous avoue que ouais les résas, j'ai pas réussi à m'en servir et ça clôt juste avant que j'ai pu un résa au final. Ah, un peu tard, hein. Plus un résa. Plus un résa. Ouais, pareil, hein. On avait deux Reza, Skin et Angels sur le collier. Un petit raisin. Je vais en profiter, j'ai pris ma fleur. Oh, Skinner, il est trop fort. Trop fort, Skin. Il fait pas honneur au psycho, là. Ouais, c'est vrai. J'avoue, c'est pas un vrai, hein. Tu peux le dire. Il est pas roleplay, toi. C'est pas vrai, un sourire de démoniaque, quoi. J'ai. Il va rester Sindael et Ticarez, s'il vous plaît. Alors. Le token voleur mage druide, il doit y avoir quelqu'un dessus. Moi, je pense que je l'irai ça. Mais je suis pas sûr, vérifier. Oui, c'est ça. C'est ça, avec Hack. Ah, Hack va se faire cuquer encore une fois. Baston. Baston de SR. Baston. Ah, bien joué, Hack. Bien joué, oh, bébé, je suis triste pour toi. Bah, Rien va te le donner, hein, le thème. N'est-ce pas? C'est vrai, tu m'aimes? Non, pas à ce point-là. Oh, l'amour mâche. Ok, c'est bien. Eh ben c'est bien. Allez. Démo pâle. Allez, moi-même. Only SR. Ok. Dora, où es-tu? Dans toi. Ah. Tu veux pas faire de cool. On est bien dans le QR, dit des fois. Je te jure. Avec mon si vous retrouvez mon micro. N'hésitez pas à faire le rebuff et à commencer les trash. Le token chaman guerrier chasseur. Nous avions
Taz et Zeido. Et il y a moi aussi. J'ai serre sur le Discord. Et toi aussi, alors. Bah, go, les trois. Un petit round. On poule les loulous, allez. Ouais. Ouais, c'est pour moi. Eh ben, machallah, ouais. Comme disait le jeune. Adria, t'avais pas Reza ? Si, j'ai mis plus un. Ouais, mais en Reza sur le... C'est la Reza. Mais sauf que je savais pas faire, ça. Aïe. On sait pas, on se montrera pour le prochain coup. Ouais. Il est barré, mon chami. Il en veut pas de son tenir. J'ai fait le bench de base, donc bon. On va voir comment on se fait des SR. T'es où, Arnie ? Je crois que ça marche dans comme ça. Cul. Hop. Là. Devant son enfant, quoi. Tac. Honteux. Cadeau. Par contre, Sildala, je sais pas si t'as vu tes... tes Reza. Non. Ah bah, c'est rigolote. Pourquoi ? Ouais. Parce que déjà, tu t'es tag en tant que rogue. Mais oui, parce qu'il y avait pas j'ai pas trouvé DK dans les trucs pour choisir les Reza. Il me fêtait toutes les classes sauf DK. Donc j'ai bien précisé en plus. Ouais, je sais. Oui, c'est parce que sur le truc, il est en BC, le truc de sauf trésor. Ouais, je sais, non, je rigolais. C'est ce que ça m'a fait rire quand t'étais le premier de la liste. Ouais, moi j'ai mis en War comme c'était, c'est ce qu'il y avait de plus proche, je trouve. Ah ouais, j'y ai même pas pensé, ouais. Ouais, tu mets la plaque, c'est ce qu'il y a plus déjà. Bah, ouais, bah je suis désolé, un voleur en plaque, c'est mérité. Ouais. Nous sommes la classe la plus. Steph, quand même. Bah quoi ? Ça va toi ? Je demande aussi une épée à deux mains dans chaque main. Ouais, ça, tu peux. D'ailleurs, même deux épées à deux mains dans chaque main, c'est bien. Ouais, ça fait quatre mains. Ouais. Moi, j'attends d'avoir deux épées à deux mains dans deux mains. Ouais, je suis habitué à porter des trucs lourds dans une seule main. Ouais, ça va, j'attends un truc plus simple. Des glaives. Bon. Normalement, les glaives, non. Tu vas pas avoir des glaives, tu vas avoir des glaires. À moins qu'il y ait un glaive unique à deux mains, ouais, mais sinon. Détends. Vous les faites à la fin, les loots ? Pardon ? Non, je sais pas, vous les faites à la fin, les loots, ou je comprends pas tout ? Non, on les fait au fur et à mesure, là. Parce que j'ai fait plus un sur un truc, là, mais en fait, on demande pas de rendre, y'a rien, donc ça serait bien d'expliquer, parce que je comprends rien. Il y a eu. En fait, ils ont. Il y a eu une page avant de pull le raid. Sur une page Google Doc en gros où tu réservais les items. Moi j'ai pas été informé de ça donc. Voilà, moi non plus et je t'avoue que c'est voilà, ce que je disais dans le groupe. Les épaules du conquérant oubliées, voilà. Y a pas plus d'infos derrière. Donc, moi je t'avoue que. Je t'avoue que je ne connais pas trop cette méthode. Les loot, ni pourquoi, donc, en gros, quand vous regardez sur Discord là où vous êtes inscrit, vous avez un petit truc qui est marqué Soft Reza. Quand vous cliquez dessus, ça vous envoie sur le site directement. Du coup, c'était indiqué, juste vous avez pas fait gaffe. Ah, je t'avoue que je l'ai pas vu. J'avais connu ça, donc ça aurait été. Moi non plus, ouais, j'ai jamais vu ça non plus. Hein. C'est pas trop, mais par contre là, ne serait-ce que quand vous linkez un truc, on vous met un plus 1, ça serait bien de qu'on sache déjà qui a attribué le loot et de nous dire, bah voilà, ce truc a été réservé et par contre, sur telle personne. C'est pas, là, c'est pas contre toi, mais il l'a dit. Hein. Si, c'est pas contre toi, mais il l'a dit. Il a annoncé les résas. Ouais, il a annoncé les résas. C'est pas du tout contre toi ou quoi que ce soit. Parce que là, en fait, moi, je vois un loot qui apparaît, je fais plus 1 comme d'habitude. Et après, oui. Il se passe rien, on me dit rien du tout, donc c'est pas très clair. Quoi. En fait, Arnie, il dit en premier les SR, et si c'est pas SR, tu peux plus 1. Moi, j'ai vu, il y a marqué 3 SR sur l'inscription de raid, ça veut dire qu'il y a 3 Reza seulement. Que 3 Reza par personne. Par personne, 50. Par personne. C'est 3 Reza par personne, en fait. Quand c'est même nom pas. Est en bleu sur l'event, ça veut dire que t'as Reza un truc. Et 3 par personne, c'est déjà pas mal, hein. En général, et ça marche comment avec les pick-up, surtout quand ils sont arrivés genre 5 minutes avant le pool. Nous on vient en pick-up et en fait au final bah en gros on fait plus un mais listé, on sait pas plus. J'ai dit plusieurs fois que vous pouvez faire vos SR. J'ai agrandi le temps sur le site. Bah moi j'y suis allé, je peux plus. Long, je sais pas. Parce que après, non mais bien sûr, après tu réserves les trucs qui sont déjà qui sont pas déjà tombés etc. Mais bien sûr. Mais par contre les gars, en guild, il y a pas de problème, mais là sur un groupe PU comme ça, je vous déconseille de fonctionner comme gars, ça parce que vous faites. Ça, vraiment, ouais, il y a pas avoir de problème. Un truc comme ils font des groupes machin, ça c'est réservé. Ouais, non, ils peuvent pas fonctionner comme ça, vu que c'est les personnes. En gros. Non, mais bien sûr, c'est les gens qui s'inscrivent sur le raid, sur le Discord, qui vont sur une page
tierce. Mais faut le savoir. Pour réserver. Ah oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je l'ai découvert ce soir aussi. Hein. Vous en voulez une marrante ? Moi, je suis arrivé 5 minutes avant le pool du raid, alors pour ce qui est des infos, je me les suis foutu au fion. Hein. Oui, mais toi, tu connais, t'es le GM. Hein. Genre, je suis GM. Non, c'est pas le GM. Non, mais c'est pas ça, je sens. Je fais plus imposant, dans ce cas, c'est pas la peine que je fasse plus un, mais au moins, me le dire au début. Non, si, ça fait plus ça quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend une minute. Ce qu'on n'a pas fait de SR, allez sur le Discord de la page du BT et du IJAL. Et noter un loot à SR sur le conseil et un loot sur Lidan. Comme ça, on va essayer de rattraper comme. Bah, moi, je n'ai de rien sur le conseil, il me faut juste Lidan. On va essayer de rattraper le tir comme on peut. Un loot sur le conseil, un loot sur Illidan. Vous marquez ça sur le chan du BT. Et puis, on va essayer de se. Ah oui, parce que la page, elle est toujours lock là. Elle se lock à 8h, je crois. D'accord. Donc sur le Discord directement. Ouais, t'es écrit sur le chat du Discord. Ouais, ouais. Du coup, quand il y avait tout le monde qui était là dans le Discord, j'ai dit 2-3 fois de faire vos SR. Et après, j'ai fermé la page parce que justement, imaginons, vos premiers loots ils tombent pas. Du coup, vous faites varier vos SR. Du coup, c'est pas possible quoi. On peut pas gérer ça. Bien sûr, bien sûr. Et désolé s'il y a eu un manquement d'informations, mais en tout cas je l'ai vraiment répété 2-3 fois, si vous voulez la prochaine fois je l'écrirai à l'écrit. Je ferai des gros calls, parce que comme vous pouvez le voir, déjà il y a déjà une semaine que j'avais déjà écrit de faire les SR pour les gens qui étaient déjà là inscrits. Et je peux vous dire que c'est chiant de courir à 20h après tous les gens pour qu'ils fassent leur SR. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça, en guild les gars c'est cool votre truc, mais hors guild je pense que c'est compliqué à mettre en place. Non, c'est pas compliqué. Hein. Je sais pas du tout si vous le faites souvent, mais... En fait, quand on est d'avant nous... c'est très chouette. On vient tous d'amener Nar, et sur amener Nar, on faisait tout le temps comme ça, même avec les PU. Sur Finkel, même. Ok, ok. D'accord, je savais pas. Moi, je t'avoue que c'est la première fois que je vois un... Bah, nous, ça se fait c'est quand cool, même hein. C'est cool, mais... En passant, ouais, les gens ont pas l'habitude. N'oubliez pas qu'après, il y a IJAL, du coup, vous pouvez aussi réserver des loots de IJAL. Par contre, c'est 3 par personne. Yes. Donc, c'est bien. Du coup, regardez quand même... Bref. Mais là, le SR pour IJAL, c'est pas en place encore, on est d'accord. Non, mais on le refera. On va en garder un pour Ijal après. Après, je sais pas si. Jeudi prochain, on risque de refaire un BT. Alors, on verra si on le fait au rang de OSR. Parce que du coup. Comme vous voulez. Bah, maintenant, on est au. Enfin, ceux qui sont là, ils sont au courant. Mais. En soi, c'est pas grave. Hein, oui, non, mais du tout. Attention dans peu de temps, mais c'est juste pour être. C'est ça. Ouais, bah, c'est pour ça, vas-y, profite-en, fais-les maintenant et puis. Et désolé si Tézer, est-ce que t'es à l'aise avec le tank là ou pas? Tiens, on va faire un petit appel, savoir si tout le monde a refait ses. A pu. Ouais, c'est bon. A pu se noter un petit loot. Non, sur le SR, y'a rien. Moi, je t'avoue, j'en ai noté 2 sur Yedan, c'est tout ce que je note. À l'aide. Oh le force. Très nickel. Andrainé, si tu pourrais mettre le nom de ton loot, parce qu'un loot sur Yedan ou conseil, ça va être. Mais du coup, même ceux qui ont lock, ils doivent mettre que ils doivent dire le truc sur le. Tu DM, dois préciser. Tu non, dois non, préciser non, ce que t'as lock, c'est tout. Non, mais ça c'est la question, c'est est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas lock ou est-ce que. Non, c'est pour ceux qui n'ont pas lock, c'est pour ceux. C'est qui n'ont pas eu le temps de l'ESR, oui. Ouais, ouais, quand t'as lock, voilà, t'as. Sans le Discord, tu peux le faire, voilà. Voilà, tranquille. Mais ça se fera pas tous les jours parce que comme il disait tout à l'heure, si on fait ça à chaque fois, c'est trop facile parce que bah, tu donnes le boss, du coup ça fait un loot en moins, tu vois. Tu sais que t'as pas besoin de réserver et du coup tu réserves les autres. Hack, j'ai jamais. Allez, go. Ouais. Attends, go, calme-toi. Calme-toi. Deux secondes. Calme-toi. On m'a rien dit. Moi. Je vais tanker le mage. Par contre, comme je l'ai jamais fait, bah, je vais prendre beaucoup de dégâts. Est-ce que tu peux assigner un heal sur moi? Ouais. On va mettre. Mais je sais même pas ce qui tombe sur les deux. Single. Marque-toi les tokens, Dry. Puis c'est bon. Après, il y a la foulée du traître qui pourrait être intéressant. Le bijou de la foulée du traître. Tout le monde connaît les strats ou pas? Bah non, s'il y en a qui n'ont jamais fait, ils connaissent pas. C'est vraiment du rentre-dedans de toute façon. Là, c'est, non, ouais, c'est du faut, TDM, ouais. C'est le boss 3 de TDM. Par contre, attends que le mage refresh son buff avant de go. Parce que là, il reste 20 secondes et... Ouais. La prêtresse est castée. Pour ceux qui peuvent... Voilà, je vous montre. Là,
il y aura le mage qui va tanker le mage, donc Clagy qui va tanker le mage. Sindel, tu vas être son petit heal de poche là, donc tu vas la régaler. Juste là, il y aura la prêtresse, donc avec les DPS qui seront dessus, cast. En 4 DPS qui peuvent annuler les sorts, s'il vous plaît, dessus, pour éviter les heals. Et là, on fera une sorte de boucle. Je vais arrêter de parler. Avec du coup le voleur et le palouf. Le palouf pour les cac, on fait attention parce qu'il met des consacres. Et le voleur il disparaît et il met des poisons. Voilà. Après là, à mon avis, on va juste faire du bourrage de crâne. Et pour la prêtresse, de temps en temps, elle a une bop. Du coup là, c'est un caster qui doit décast. Du coup, soyez attentifs quand même. Je sers à rien, de toute façon, je collerai la bop. Et puis je peux kick avec le chien. Donc, ok. La bop, est-ce qu'on peut la retirer au dispel de masse ou pas? Non, tu peux pas. Non. Vu qu'il y a 5 000 PV, il risque de mourir très vite. Qui c'est qui physique dessus sur la prêtresse? Taz. Et je peux pas être solo. De toute façon, t'as que les heals à kick. Hein. Le reste, normalement... selon moi, ça devrait être Hack qui kick la prêtresse. Ouais, je vais mettre moi et Taz. Ouais, vous y allez à deux, c'est bon. Le reste, vous tapez, vous faites bien attention au contrôle. Non, au cas où. On va prendre. On y est allé à 3 la dernière fois, mais. Non, un rock suffit normalement. Ouais, normalement, ça suffit. Mais... Vas-y, je te suis. Donc, Taz, moi, et le reste, vous tapez le palouf et le voleur. Et le palouf, vraiment, fait gaffe au conseil. On reste pas dedans parce que ça bouge. Les AO seuls, elles piquent. Ouais. Des questions? Des réponses. Tu peux juste me rappeler le pseudo du mage que je veux. Il y a Drea qui est en train de finir de taper son message. Ah. Mais non, mais Drea, mais pas un loot ou un loot de 7. Mais alors mes 7. Mes jambes 7 et torse 7. Ouais, t'embête pas, c'est bon, on va... Faites des efforts les jambes, putain. Allez, on va... Les jambes et le torse, c'est bon, Drea, t'embête pas, on le saura. Un loot de 7, c'est pareil, je m'en fous, en vrai. Ouais, c'est bon, allez, go. Allez, go. Vous voulez de la précision? Moi, je vous ai mis un précis, de la précision. Allez, on le tartine. Vous voulez parler? Vous d'abord. J'ai kick. Je suis pleine de surprises, mon travail est terminé. Ok, on a encore le truc. Faut juste que je fasse gaffe à ça au fond. Attention, le heal. Faut le reprendre à des temps qu'il le reprenne là. Ça, ouais. Papy, tu peux mettre un BRS sur moi, c'est... Pourquoi il est insensible au choix? C'est ce qu'a dit Papy, là. Il y en a un qui décime le raid, là. Ouais. Il se balade. C'est le rogue qu'il faut récupérer. Vraiment, le cercle, faites une rotation, là, les tanks. Faites un arc de cercle sur l'avant-droit. Faites un arc, je dirais, de la porte jusqu'au bout. Jusqu'il y a des planques. Non, ouais, là ça peut vous passer. Vous passez les escaliers et vous tournez comme ça en boucle. Avec le rogue et le palou. Bon, là je pense que ça va être compliqué. Hein. Savourez vos derniers instants. Ouais, surtout si les heals passent. Hein. Claquer, tape le mage. Et sa vie, elle revient. C'est un drame En fait, si je switch, c'est parce que de temps en temps, il est insensible au sort, c'est pour ça. Et oui, alors, sa vie remonte parce que la prêtresse fait des heals. Faut arrêter de taper la prêtresse, là. Elle réflecte les dégâts. La prêtresse, en clair, c'est... Il nous faudra un heal sur nous, limite, en fait. C'est ce que je disais au début. C'est peut-être un heal, peut-être sur nous. Éventuellement. Et après, c'est du kick, hein, de toute façon.
Tant qu'elle, on l'aura pas buté, elle va casser les couilles. Le cercle de sang sur la prêtresse. On peut la buter avant les autres. Y'a pas besoin de buter la prêtresse, ils sont tous linkés. Non, ils meurent tous en même temps, du coup y'a pas de prio à activer. Y'a pas de focus. Ah, il sort des cas, s'il vous plaît. Mais c'est qui tankait la prêtresse? Personne. Ah, c'est peut-être pour ça que t'es mort du coup. Bah oui. Quelle idée. Je tank la prêtresse avec un heal assis, comme pour le match. Ouais. C'est dommage, on aurait pu la tomber là. Bon, tant pis. Vous avez un raise là ou faut revenir à pied? Normalement, il y avait une pierre de raise sur le druide, mais je sais pas si. Bah, j'ai rien cassé. De combat parce que. Ah, c'est rien. Revenez à pied et il y a un TP à l'entrée de toute façon. Pas de soucis. Je l'ai claqué parce qu'il y avait 7% de gens vivants. Une ronde juste devant. Je vous ai dit sur la partie droite. Claqué, il va gérer le mage et nous, il nous faudrait. Soit un gros heal sur nous, soit qu'on prenne un tank. Donc les tanks, comme vous préférez. Il faudrait le war, dans tous les cas, qu'il soit avec le palouf et le voleur. Après, moi, je sais après, pas. Après, l'autre, je m'en fous. J'avais juste demandé dans le slash raid qui tankait quoi, et du coup. J'avoue que j'ai pas fait attention. My bad. Donc, comme vous voulez, répartissez-vous ça, les deux autres tanks. Mais ce qui serait cool, c'est que le pal prenne Malande. Parce qu'elle a son racial au cas où si le kick passe pas. Bon, c'est dommage. Le PNJ là à côté de moi, à côté de la lune. Ici là. Vous voulez que je reste à côté du PNJ ou ça va aller? Tiens, question à la con, y a moyen de remettre le lien pour les résas du Ijal? C'est le même que l'autre, du coup, bah, il est trop tard. Non, on va le rouvrir. Ah, il est trop tard. Non, reviens. Angel, reviens. Non, c'est pas par là, tu vas où? Reviens. Il est sur le Discord de Angel ou pas? Non, mais. Bon, il est parti sur le premier boss, pas grave, hein. On va le TP au pire. Il fera un TP de... Bon, tant pis, hein. Moi je suis parti. Hein. Faut parler au PNJ qui est à l'entrée là, là où il y a les drapeaux. Oui. C'est ça. Oui. Oui. T'auras un petit TP. Si vous rappelez pas du chemin, c'est pas grave, hein. Je ferai une pierre et on fera un TP devant le boss. C'est pas un souci. Qu'est-ce qui est gentil ce démon? Ouais, c'est bizarre. Hein. Que tu serves à quelque chose. Je trouve que jusque-là, tu te décorais vachement bien. Wow. J'ai fermé une couche à l'enflure. Vous voulez que je relink les packs où je suis devant vous au DPS ou pas? Ça va aller? Ah, la lame de corruption, hein. Quel bonheur. Tu veux que je commande des mots aussi? On en rediscute? 98% de graines. Pas de soucis, hein. Après je peux pas. J'avoue que c'est finalement des mages arcanes, hein, y a qu'une touche. Hein. J'avoue que ça fait mal, hein. Entre le mage arcane et la démo. Allez, vas-y. Skinner, toi aussi, t'es absorbé par le paladin qui court contre le mur. Ouais, j'ai bégayé un peu, là. J'essaie de suivre des gens, mais je crois que j'ai pas suivi les bonnes personnes. Oui, je pense que t'as pas suivi les bonnes personnes. Ouais, clairement pas. Skinner, il est même pas de toute façon. Ah, bah c'est pour ça. En fait, Skinner, il est en follow sur toi. Et toi, t'étais en. En fait, là il y a un truc de ouf. C'est que moi, je suis en follow sur Skinner. Skinner est en follow sur toi. Et toi, tu followais quelqu'un d'autre. Vraiment, la team feignasse, hein, quand même. Je trouve ça ouf qu'en fin de texte. Il y a des gens qui connaissent pas la route encore. Ne serait-ce que la route. Moi, ce que je trouve ça fou, c'est le verbe follower. Ouais. Follower. Le verbe du premier groupe. Premier groupe. Hier, il faut. C'est waouh.
Non, c'est followed, du coup c'est troisième groupe. Troisième groupe, mec. Hein, ouais, c'est... ouais, ouais, c'est troisième groupe. Hein. C'est de l'anglais, de toute façon, les gars, y'a pas de groupe en anglais. c'est... Ouais, voilà. C'est du franglais, pas de l'anglais. C'est vrai. Bien joué, mec. Bah, Elan, il est mort. C'est vrai que quand t'as jamais fait le raid, c'est vrai que c'est compliqué de connaître le chemin. Ah, oh, tu connais quand même. Ouais, les vidéos YouTube, tu sais, s'expliquent mal. Hein. Ouais, je sais. Là. Merci de m'écouter, mais je suis là. Moi je vais Merci pour le TP. Moi je vais à la zone 52 pour prendre un buff vite fait. Les priorités. Comme on m'a TP dans le vent. De toute façon, sur ce boss là, t'as juste à en flinguer. Une fois que t'en as flingué, ils claquent tous, non? Oui, ils sont link. Mais faut en claquer un, hein, quoi. Oh, le nom qui va sur qui? Récap. Alors, la Pika, il va prendre le EDM croix. Carlia, tu vas tank carré. Claqué, il tank le string vert. Avec, pour Pocket Heal, je sais plus son nom. Sindel, excuse-moi. Ok, ok, ok. Donc, le carré bleu, il reste en haut. La dame, elle reste en haut. Le mage, il va être tanké sur la gauche. Et vous mettez sur la droite. Et vous faites des cercles. Vraiment un arc de cercle. Tout simplement, avec le paladin et le voleur. Le voleur, il se promène un peu, il met des poisons. C'est tout. Le paladin, il met des conseils. On fait attention à pas rester dedans. Les kicks sur le carré, c'est juste pour enlever les heals. Elle se met à un bouclier qui envoie les sorts au bout d'un moment. Donc bon, là c'est bien compliqué. Le mage, pareil, il encaisse les sorts. Et après les autres, bon ben ça roule quoi. Et vous tapez, vous tapez, vous tapez. La buff de Rissi, vous une petite malédiction des langages hein, sur le carré. Ça trop le cul. Est-ce qu'on peut juste me faire ça une petite détourne le cul. Croix sur la pika au pool J'ai pas entendu sur ça trop le cul. Pardon. Une détourne sur le, pour le croix. Une malédiction des langages sur le carré, s'il te plaît. Yes. Détente sur la pica, du coup, j'imagine. T'es encore bas des escaliers. Tu veux tanker quoi? Non, en haut, juste en haut de l'escalier carré. Okay. Et après le reste. Bah, le reste, je pense que vous avez compris. Je fais un appel et quand c'est bon, on y va. Bon. On attend ta détourne et puis c'est ego. Attends que tout le monde soit bien rentré, est-ce que. Ouais, ah ouais, parce que la porte. Ce serait le coup. Ouais, c'est ça. On attend ta détourne et puis c'est parti. Non, équipe ou pas la détourne. Je sens le voir. Équipe la tête de mort et vous allez à droite. Faut que tu décolles le mage, faut que tu décolles la dame du mage. Ou claquer tu recules parce que sinon on va se prendre des dégâts. Et vous faites vraiment des arcs de cercle sur toute la droite, vous avez de la place. J'ai tout. On heal bien claqué. Ah, lui aussi il a eu peur. Arrêtez de taper ma lande, arrêtez de taper ma lande les 4. On switch.
Voilà. Tiens bien la pico. Si tu peux prendre l'agro Carlia, parce qu'elle me tape moins là. J'ai pas mon coup de botte. Moi non plus. Et là, là, ça va. Bon, on les balait bien. Arrêtez la taper, les cacs. C'est qui la morte? C'est un mort. J'ai cru que t'étais droit. Vraiment, arrêtez de la taper, hein. Vous êtes en train de vous envoyer le temps. Alors, comment c'est l'interruption? Je peux pas kick. J'ai encore 5 secondes moi. Arrêtez de la taper les cacs. Allez. Arrête, ça sert à rien de taper hein. C'est bon, j'ai kick. Bah non, j'ai kick. Vous voulez me tuer? Je kick en first. Tendu ce boss hein, comparé aux autres. Si vous êtes en CD, vous me prévenez, je viens. Si jamais ça peut aider les dégâts, on peut kick aussi avec strangulation. Nous les gars, en attendant, on fait quoi? On va sur le. Là, vous pouvez la taper. Ah, là, à ce tape là, non, la taper plus. On attend. Allez, allez. On a encore. Il faut surtout pas aller sur le major cac parce que tu te prends les explos. Là, il y a eu un soin qui est passé, hein. Ça s'est vu. Allez go. Ah oh, putain. Elle se remet une bob. Purée. N'allez pas sur les mages du coq. Ah bah. Pas sur les mages. Le mage. Pourquoi il est aussi bas Tu l'as fait? Ouais. Il est mort? On le kick là. Non il est pas mort. J'ai arrêté de la taper. Ouais je sais pas, il a dû se passer un truc bizarre dans son fight. Parce qu'il était à mon niveau tout à l'heure. Ok, ça devrait passer. Sauf incident majeur, mais bon. J'ai kick. Ouais, je. Attends. Ah, il reste tendu ce boss, hein. Prendre les kicks et les prochains. Ok, je peux plus. Voilà, mais ouais. GG. Ouais, play les potes. Il reste assez tendu, hein. Très bon sur les kicks, Tas Ghost. Par contre, si tu t'overkick, normalement tout ce qui est châtiment Kourou, t'as pas besoin, c'est vraiment que les heals. Après, c'est un détail ça. Hein. Désolé. Non, mais c'est très bien parce que t'as soulagé le raid, hein, ça évite les dégâts de raid. À l'époque, c'est ce qu'il fallait faire. Hein, c'est vrai que je vois ton raisonnement, ça peut foutre la merde avec merci. Justement par rapport à ça, je m'excuse. Non, tu as bien fait, c'est à l'époque fallait le faire comme ça, il fallait pas que les castes passent. J'ai vraiment pris l'habitude. Carman, enlève ton JCI. Je peux pas. Ah, après putain, c'est une bonne habitude quand même. Garde cette bonne habitude hein, quand même. Alors, chaman, guerrier, chasseur. C'est jamais mauvais quelqu'un qui kick en même temps. T'en as 3 comme ça, je crois. Oui, tout à fait. 3 tokens. Chaman, guerrier, chasseur. Eh ben. T'as qui en SR? Alors. Il y a moi, il y a Verso et il y a Verso. Réa, je crois. Ouais. Et la Pi. Et la Pi. Goran, les 4. Le plus bas à rien, quoi. Il y en a combien, Armin? Il y en a 3. Ah putain, Kerman, on espère qu'il en a un, quoi. Je me suis mis en plus. Oh, bien joué, Kerman. Et ben, la pique, Kerman, Verso. Coup de genre, y en a pas un autre? Bah, non, il y en a pas 4. Hein. Non.
vers cela, Pickerman. Okay. Pourquoi t'as parlé avec eux? Parce que ça change rien, faudra toujours lui reparler pour parler devant Illidan. Là, on gagne juste un peu de temps. Ah, j'avais oublié. Je pensais qu'il fallait lui parler. Il y en a combien de 7 là? Il y en a 4, il y en a 3 et vous êtes 4 dessus et t'as fait le plus petit round, du coup bah t'en as pas. Ouais, mais t'as, j'avais fait un tour. C'est pas juste. RIP. RIP à toi. Après, il y avait un autre loot, hein, il me semble. Hein. Yes. Ouais, du cuir et ça m'intéresse pas. Je crois bien. Ça peut en intéresser d'autres. Hein. Marie, tu dis, j'avoue, t'as eu le T6 d'épaule, d'accord. Ah, le seul loot qui est tombé, quoi. C'est dommage, y'a pas grand chose, hein, j'avoue. Je suis pas avec mes copains. Par contre, t'as le droit de crever en silence dans le caniveau. Après, t'as ici les loots que moi j'ai pas pris, du coup, c'est pour ça en vrai qu'il y a pas grand chose. T'es tué là pour le loot. Je l'aime bien ce brave DK, je trouve qu'il a des réflexions pertinentes. Bon, il reviendra. C'est bon. Il reviendra. Pourquoi je fais un petit round que maintenant? Je pourrais pas faire un gros round. Ça intéresse quelqu'un la ceinture chouette? T'as 4 millions. Les épaules même. Oui, des épaules, pardon. Ceinture, bah c'est pareil. Hein. Pareil, non, c'est du cuir. Hein. Je suis traumatisé de la ceinture. Il n'y avait pas de SR dessus, du coup. Le narbre, il en veut pas, le pauvre arbre, hein, qui se fait victimiser depuis tout à l'heure. Pourquoi je voudrais un truc que je jetterais à la poubelle? Oh, pour le skin, joli. Ouais, pour le skin, ouais, mais j'ai pas ramené ça. Je me connais. Redonne-la, papy. C'est vrai qu'elles sont belles. C'est vrai qu'il paraissait plus grand quand même, hein, dans la vidéo et tout. Non, mais t'inquiète, il est grand. Hein. Mets-toi à côté non, de lui. Non, je sais, mais. Je crois que tu lui arrives même pas aux hubs, hein, mon pote. Hein? Tu lui arrives même pas aux hubs. Même ça, c'est cool, bien sûr qu'à côté de Supremus, il fait un peu petit, mais. Oui, c'est vrai. Ouais. Quelle gueule, quoi. Ça va, je suis pas le plus petit, tu vois. Je arrive pas aux genoux. Tu vois. J'arrive un peu plus haut. Un peu plus haut. Pile poil la bonne taille ou pas? Mec, il est con, là, si. Dora, ici, bah tu DPS et après t'attends que le monstre meure. Si vous voulez faire un AFK, faites-le vite fait. Il y en a pour combien de temps là? Mais oui, il y a un placement. Tu te colles aux autres. Vas-y, j'ai les mêmes cordes. Coller serré, Marie. Ah, les tiennes, elles sont droites comme un piqué, une antenne parabolique, tu vois. Les siennes, elles sont arrondies, quoi. On attend quoi, Mac? Faut faire les... les strats. Du coup, en tank, on va mettre... MT1 la Pika et MT2 à Dra. Donc vous serez ceux qui tankeront les esprits de feu quand il lancera ses glaives. Vous devez pas trop. Ouais, vous savez les tanks ou pas les esprits de feu? Ah, oh, je n'ai jamais fait, comme j'ai dit, je connais surtout en DPS, mais. En gros, tu te donnes pas trop de la glaive. Sinon il devient enragé. Mais néanmoins tu dois quand même te déplacer puisqu'il fait des crachats de feu. Voilà. Après j'avoue que je l'ai jamais tank. En gros t'as une glaive qui va pop ici. Une autre qui va pop à l'opposé. Et là, ouais. Donc les deux tanks que vous allez être à côté, quand vous le prenez au début, vous venez ici. En restant dans l'alignement de la glaive.
il va y avoir des flammes qui vont pop sur le mob, donc vous devrez vous déplacer comme ça tout autour. Pour regarder le sésame, hein. Ensuite, il va y avoir des rayons bleus qui vont être annoncés sur les tanks. Donc soit sur celui à droite de Jidan ou à gauche. Les rayons bleus, faut surtout pas les prendre. Sur le tank qui, sur lequel ça va être annoncé, il y a un moment vous serez obligé de, vous aurez pas le choix de traverser les flammes vertes. Vous inquiétez pas, vous êtes tank, vous avez des PV, vous pouvez le faire. Et après, faut switch comme ça. Une fois que vous arrivez ici, qui remet des flammes, vous repassez dans l'autre sens. Normalement, avec le DPS, ça devrait tomber assez vite. Ouais. Pour les placements, pour la phase 2, on va se mettre en triangle. Donc, là où je suis, je vais mettre une étoile, des castes. Je voudrais lire les glaives. Là, soit les cacs, soit les heals. Donc quoi, je pense qu'on va mettre les cacles. Et là les... Parce que il va faire des pluies. Et donc si on se met tous ensemble, on va tous prendre la E, ce qui serait vraiment con. Donc vous vous mettez bien en triangle et éloignez. Est-ce que je peux juste faire un AFK 5 minutes? Ouais, vas-y, ben. De toute façon, il y a plein d'AFK, du coup, AFK toi aussi, hein. Merci. Juste avant de pull, fais un appel, quoi. Pour savoir s'il y a des... encore des AFK, quoi. Ah, il y en a qui ont envie de dormir. Ouais, ceux qui veulent fumer une clope, allez-y, hein. C'est déjà fait. Et moi, une petite binouille. Allez fumer une clope, c'est bon. Ouais, vas-y, on va le pull à 15. On va finir tard, par contre, avec Ijal. Ok. Bah, je pense que Ijal, on le fera mardi, à mon avis. Ah ouais, ça, je pense que Hack, il a été présomptueux de vouloir. En plus, c'est la première fois qu'on y va, donc à mon avis. Bah, normalement, ça passe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Hein. Oui, quand t'as l'habitude de le faire. Ouais, c'est vrai. Après, ça va. Ça plus ou moins été propre. Si on oublie les wipes sur les trash, quoi. Il y a un des gars qui nous dit que c'est mort pour lui, pour Ijal, de toute façon. Ouais. Il se lève trop tôt. Après, c'est décaloté, ça va. C'est toi que j'avais vu à Sunwell décaloté ou pas? Ça m'étonnerait. Ok, mais il y a un mec qui s'appelle à peu près comme toi, du coup. Mais ouais, il me semble que t'es beaucoup moins stuff et t'as beaucoup moins de DPS bizarrement. Putain, dites-vous un truc, la dernière fois je me suis pointé à Black Temple, on a défoncé Illidan. Le conseil, il y a eu un problème au niveau des loot, j'ai récupéré le home du briseur. On tombe Illidan, il y a quoi qui tombe? La vision maudite de Sargeras. J'ai dit putain les salauds. J'aurais pas dû faire plus ça, hein. Je suis dégoûté. J'aurais dû attendre Illidan. En plus, il n'y avait aucun token. Voilà. C'est mieux comme ça, hein. Quand il est mute, il est plus agréable à écouter. Je suis un connard des fois. Putain, il parle encore. L'ambiance. Franchement... J'avoue que je m'attends au pire avec le Lich King. Est-ce qu'il y a du monde qui est là pour que je finisse d'expliquer les autres phases? Je fais un appel pour voir les AFK hack. Comme ça, tu seras au courant. Carman est AFK, apparemment. Parce que là, le problème, c'est que ça va être pour la phase 4, vu la gueule de notre démo. Bon. Ah, ça parle de toi. Hein. Parce que 6000 PV, je suis pas sûr que tu tankes bien un coup. Si, si, t'inquiète. Hein. il tanque un coup, mais après, il fait dodo. Hein. Bon, pour la phase 3, sinon, une fois qu'on a fait tuer les esprits de feu, désolé, hein, c'est pour moi AFK d'ailleurs, j'ai pas trop prévenu. Bref, du coup, une fois qu'on a tué les esprits de feu, il va revenir comme à la phase 1, tout simplement. Sauf que là, on va bien se séparer, vu qu'il va mettre des AOE. Donc là, on va bien tous se disperser. Parce que c'est une assez grosse dot. Je crois que ça met 36 000 en une minute, un truc comme ça.
Donc ça fait super mal. Donc on se colle pas. Et ensuite la phase 4, je pense qu'on va y avoir... Je pense pas qu'on l'aura tombé avant. Donc là il va faire spawn des mobs. Et il faut les tuer avant que ça atteigne raid. Et là normalement c'est le démon qui tank, mais là je sais pas comment on pourrait faire. Si quelqu'un a une idée, ce qu'on pourrait mettre à la place de ce beau sésame. On met le sésame pour un coup et après on réfléchit. Puis après on tape. Ouais, allez. Ça va passer. Ouais, allez, on fout le patate. Vas-y, ça marche. Bah du coup, il va tomber après. Ouais. Et si on n'arrive pas à faire tomber la phase 4, il va recommencer à sa phase 3, mais enragé, etc. De toute façon, à un moment donné, la mascotte va mourir. La mascotte. Qui, ouais. Qui est la mascotte? Le démonus. Pas vu, soit moi. pourquoi vous comptez que je tanque le boss, c'est ça? Bah, ouais, tant qu'à faire. Mais non, on va BL quand il va redescendre et après les AD et c'est bon, ça passe. On la skip. On fait un rebuff s'il vous plaît. Je fais un appel et quand les tanks sont bouillants, c'est parti. Juste entre les phases, faites attention, la menace elle est reset. Tu veux que je vais lancer ou on attend? Oui. Attends. Parce que j'ai l'impression que tout le monde attend le boss, mais il va pas venir là. Bah vas-y, claque justement. Dalida, arrête de me suivre. En bas, ouais. Arrête de me suivre, Dalida, tu me perturbes. Je suis occupé. Ah, t'es occupé? Déjà. Ouais. Bah finis-toi vite. Pareil, sur la P1, le tank, il y aura des petites flammes à côté de Jidan, faudra que tu le mouves un petit peu. Pour pas que les cacs se baignent dedans. Ça se moque. Ta duplicité n'est c'est, pas ça se moque. C'est pas bien. J'aurais dû vous massacrer depuis longtemps. Toi et ton frère déformé. Nous sommes venus mettre fin à ton rêve. Mon peuple et notre terre tout entière. Mais je ne suis pas convaincu. L'heure est venue. C'est le moment. C'est le moment. Pas prêt. Tu n'es pas prêt. C'est toi qui n'es pas prêt, mon pote. Ah ouais, le fion. Vous voulez la belle tout de suite, on attend. Non, faut attendre. Calme. Calme-toi, Kerman. Dès la phase 3, Kerman. Parasite. Oh putain, j'ai oublié de le dire. Recule du groupe, Parasite. Parasite. J'avais oublié ce petit détail. En vrai, les parasites, t'aurais pu les mettre au cac. Avec le cliff qu'il y a. Parce que là, c'est les îles qui vont récup derrière. Au DPS, hein, les parasites, hein. Lancement en triangle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je ne me laisserai pas atteindre. En triangle. Au milieu, s'il vous plaît. Ouais, au milieu, hein. Bon, là, c'est dramatique, là. Tout le monde au milieu. Faut qu'on reste pas qui, les casters. Au milieu du cercle, là. Et vous répartissez en... En triangle comme je vous ai montré tout à l'heure. Et pas trop coller sinon vous partagez les dégâts d'abord. On tient bien la picot. Faut les taper les parasites bordel. Attention, pas trop mal de glace, sinon il va être enragé. Ok. Du coup, en fin de P2, les druides, si vous pouvez balancer vos BRS.
ça va être si, si, elles vont partir au bout d'un moment. Ça, c'était pas compris dans le contrat, ça. C'est juste. J'étais dans le contrat, t'inquiète, c'est juste un mal lu, quoi. Ah, on tient bien les tanks. Allez, super. Continue. Ah, bon. Ah, ça fait mal, ça. Quand le tank a l'aggro, là, direct, faut claquer la BL. Carman, tu copies. Il faut tout péter, hein. Cliquez sur tout ce que vous avez. Ah, le sésame est pas mort. Il peut tanker un coup. Tu peux BL, hein. Allez, on peut tout mettre. Ah, ah, je suis mort, c'est compliqué. Papy, reste Carman. Ah, il y a skin, c'est bon. On a une deuxième BL, là, hein. Si jamais. Merci. Oh putain, je pensais qu'on arrivait jusque plus loin dans les fosses, mais là. Décaloté est mort. Ça va passer, ça va passer. Voilà, on est tous stun, c'est normal. C'est pas de panique, hein. Pas de panique, mon chou. C'est fini ? Non, 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 c'est pas fini. Il y a Maïev qui va pop là. On va continuer le fight normal. Et des fois, elle place des pièges un peu partout dans la salle. Si le tank peut les amener dessus. C'est pas fini, hein, il reste 30% à faire. Hein. Calmez-vous. Ouais, c'est facile. Non, mais je veux dire, là, ils sont en mode on l'a tué quoi. Easy peasy. Bravo, allez. Les loot. Bon. Ouais. Bon. Et dans l'ordre, hein, les gars. Faut pas vendre la peau de Illidan avant de le trucider. Hein. D'avoir tué, hein. Trop simple le raid, ouais. Par contre les parasites, faut les tuer hein, à un moment donné. Les parasites c'est censé être les mages qui les gèrent. Hein. Arnie, il fallait t'éloigner et pas te mettre dans le top. C'est pas grave, de toute façon on a gagné. Pour les tanks là, là où il y a le rond là, que ça trouve le cul qui saute, les petits pièges que Maïev pose, c'est ça en fait. Et ouais, vous le ramenez là. Ok. Putain, ça a été vite quand même. Je l'ai solo presque. T'es dans l'excès toi. GG. Je me suis... Il n'y a pas de glaive. C'est nice, Hack. Tu vas avoir une dague. Ouais, trop bien. Moi, ouais, je vais prendre un top. Bah, si tu regardes bien, c'est un peu comme les glaives, mais un peu plus petit. Ouais, GG, nickel. Après, si tu veux respect assassinat, c'est bien celle-là. Du coup. Bof. Non, elle est pourrie. Les S4 sont mieux. Ouais. Vous êtes sûr de cette info ? Démo, pas la dernière. 100%. Je mets une rogue, et je te le dis. Ok, bah je te crois du coup, bizarrement. Ouais, bah... Je fais... Par chatra, s'il y en a qui veulent, là. Ouais, reporter le Ija à la mardi. Est-ce que tu veux pas faire plutôt un appel, voir si les gens sont chauds ? Genre vous mettez prêt si vous voulez aller à Ijal. Et pas prêt si vous voulez pas y aller. Non mais tout de suite gros c'est mort. Tout de suite c'est mort. Ah ouais, cherche pas. Là j'ai des bonnes idées, n'appelez pas claquer. Bah gros, on en a pour une heure, Ijal. En tout cas, merci à tous. Et à toutes. Ouais, et donc. Ne lui faites pas confiance, ok. Attends, du coup, il y avait qui donc les deux pales. Merci pour la bataille. La dague, je la veux bien. Attends, on va faire dans l'ordre déjà. Bonne soirée tout le monde, merci. Bonne soirée, merci. Merci Dapi. En SR, je vais citer les LAN.
Moi j'aime bien cette dague. Ouf. Ouais, oui. C'est ça de ne pas être ancré, bien sûr. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit raid, hein, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir.